Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite escale en Amérique du Sud, précisément au Pérou. On va réaliser ensemble un ceviche de thon à la mangue et à la rhubarbe. J'ai choisi pour le poisson un thon rouge de l'Inde, avec de la coriandre, un peu de cacahuète concassée, de l'avocat, de l'échalote, des citrons jaunes, citrons verts, du gingembre, fruits de la passion, et pour la décoration, des radis et du pop-corn. Alors, pour commencer cette recette, j'aurai besoin d'un saladier. Je vais avoir besoin citron. Alors, dans un saladier, je vais poser mon thon. Là, j'ai mis pour une personne à peu près 150 grammes. Je vais mettre mon jus de citron et je vais laisser cuire au frigo environ 15 à 20 minutes et on se revoit après pour la seconde. Bon, après avoir laissé mariner notre thon que j'ai coupé grossièrement en gros cubes, je vais l'assaisonner. Pour l'assaisonner, je vais ciseler ma coriandre grossièrement. On peut la remplacer avec d'autres herbes comme de la nette, de la ciboulette. Je vais mettre l'avocat. Un peu d'échalote. Moi j'ai de l'échalote dans mon frigo, on peut mettre un peu d'oignon rouge. On a le choix de mettre ce qu'on veut. Donc c'est une recette qui change d'un pays à l'autre. Je vais tester un petit peu de citron vert. Juste la partie verte, on ne va pas toucher à la partie blanche. Il y a pas mal d'amertume. Alors je vais peler mon gingembre. Juste une petite technique pour peler le gingembre. On utilise une cuillère afin d'enlever légèrement la peau, ne pas enlever beaucoup de chair. Juste à l'aide de la pointe d'une cuillère, on voit qu'on enlève la peau de notre gingembre. Et je vais utiliser juste un petit peu pour relever. Je vais arroser avec un peu d'huile d'olive. L'équivalent de 2 à 3 cuillères. Je vais rajouter le fruit de la passion. Je vais prendre la moitié pour faire une vinaigrette. Je vais mettre de côté. Pour cette vinaigrette, je vais avoir besoin juste d'un petit jus de citron, légèrement comme ça, et un peu d'huile d'olive. Assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre, idem pour mon ceviche, un peu de poivre, et je vais mélanger.
On peut rajouter des tomates cerises, on peut rajouter, comme je dis précédemment, des poivrons pour donner plus de couleur. N'hésitez pas à goûter votre. Il est juste parfait, je vais rien rajouter de plus. Là, on va attaquer le dressage. Alors, pour le dressage, prendre mon cercle. Je vais mettre assez vite. Je vais tasser légèrement. Voilà. Je vais essuyer mon bord. Voilà. Je vais mettre un peu de cacahuète pour rajouter juste un petit peu de croquant. Un peu de radis. Après, pour le dressage, on peut mettre dans un bol. Là, j'ai choisi de mettre une assiette comme ça. On le voit correctement. Je vais mettre un peu de pop-corn. Petite feuille de basilic. Et à la fin, je vais mettre la petite vinaigrette juste autour. Donc voilà, notre ceviche est prêt. Il n'y a qu'à déguster. J'espère que notre recette vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner afin de recevoir d'autres nouvelles recettes. Merci à vous et à très bientôt.